Coucou, c'est votre Louva Louva de Bruxelles. Emma Dogo Proc. Emma Dogo Proc. Je t'ai appelé combien de fois? Tanti, tu as zaillé. Oui, on s'est dit la vérité vivant. Je parle ici à la productrice des kérosènes, Adama. Désormais, Adama, kérosène. Emma Dogo Proc, tu as zaillé. Ton artiste, kérosène, se marie aujourd'hui. C'est là, toi, tu prends ton vol hier pour aller sur Paris. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tanti, il faut nous dire la vérité. À temps normal, Emma Dogo Proc, tu devais être au mariage de ton fiol. Tu devais être au mariage, aux côtés de kérosène, parce qu'il avait besoin de toi. Il avait besoin de ta présence. Oui. Il avait besoin que tu sois son mariage. Mais on te dit son mariage aujourd'hui. Et toi, hier, tu prends ton vol pour aller à Paris. T'as dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien tu étais fan de petit là. Tu étais fan de kérosène. Hein? Tu souffrais. Morceau par morceau. Faut nous dire la vérité. Parce que l'artiste que tu as lavé dans sa galère, tu étais avec lui, tu l'as soutenu dans sa galère. Son grand jour, son jour de bonheur, son jour de joie, où tu devais être à ses côtés, c'est là que tu t'en vas. On dirait qu'il y a quelque chose qui n'a pas cloché. Il y a aigu sur roche. Pour t'honorer, kérosène, il est allé marier ta Zossi. Oui. Parce que la femme de kérosène, elle ressemble à Emma Dogo Proc. Les deux se ressemblent en train d'être jumelles. Pour honorer sa productrice, il est allé marier son Zossi. Tout ça, c'est l'amour qu'il avait pour elle. Déjà, la tante, même, elle avait une autre idée derrière sa nuque. Elle avait une autre idée. Mais elle ne voulait pas faire savoir. Djalé de la tante même là, elle était fan du gars dans le noir. Elle avait le gourmet. Hein? Un gourmet de souffrance, de joie, morceau par morceau. Elle ne voulait pas avoir mal. Elle ne pouvait pas tellement supporter ce gourmet promasse qu'elle a préféré partir à Paris, partir en France. Parce que le gourmet, cela ne peut pas, elle ne peut pas supporter. Ah! On peut faire ça. On peut faire ça. Tanti, tu as vraiment zaillé. Tu as zaillé, tu devrais être là. C'est le moment où elle avait plus besoin de toi. Normalement, mais tu devais être la marraine. Parce que tu as tout fait pour kérosène. Si kérosène est devenu ce qu'il est là, c'est grâce à toi. S'il est devenu ce qu'il est, c'est grâce à toi. Donc, c'est le moment, il avait besoin de toi. Il avait besoin que tu sois là. Il avait besoin de ta présence. Mais tanti, le gourmet, pour nous dire la vérité, le gourmet de ça. Je n'ai pas aimé. En tout cas, je vais t'informer qu'il a marié ton zossi. Oui. Je vais t'informer que kérosène t'a honoré. Il a marié ta zossi. Hey, c'est ta commission qui est là. On peut faire ça. Hey, Adama, dans 3 jours, on saura la vérité.